On a vu qu'un accroissement dV de la vitesse de turbinage de deux barrages situés de part et d'autre d'un plan d'eau de profondeur Y0 et de vitesse V0 générait un petit ressaut qui se propage de l'amont vers l'aval à la vitesse V0 plus C et une petite onde de détente qui se propage de l'aval vers l'amont à la vitesse V0 moins C. Le petit ressaut est accompagné d'un accroissement de hauteur dy égale y0 dv sur c, tandis que la petite onde de détente est accompagnée d'une diminution de la hauteur d'eau égale à petit dy. Le petit ressaut et l'onde de détente se rejoignent, comme on le voit sur la figure, au bout d'un temps t étoile égale à l, la distance qui sépare les deux barrages, divisé par 2c, et ils se rejoignent à une abscisse S étoile, qui est égale à 1 plus V0 sur C fois L sur 2. Lorsque les deux intumescences se rejoignent, elles se croisent, elles continuent leur chemin, et elles annihilent d'une part l'accroissement, d'autre part la diminution de hauteur, de façon à ce que, au bout d'un certain temps, le plan d'eau retrouve sa hauteur Y0, mais est animé de la nouvelle vitesse V0 plus dV.